Qu'est-ce que c'est que apétamine? Donc, apétamine, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, la boîte, elle est comme ça. Et le sirop, il est comme ça. Voilà. Donc, apétamine, c'est un sirop à base de vitamines. Donc, il n'y a pas de produits bizarres dedans ou autre. Moi, je m'étais renseignée chez un médecin qui m'a confirmé que c'était que des vitamines dedans. Et du coup, pareil en pharmacie. Donc, voilà, je vous rassure, les filles, c'est vraiment que des vitamines dedans. Donc, moi, le sirop, j'ai commencé à le prendre au mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'étais à 47 kilos. Au mois d'août, j'étais à 45 kilos. Moi, j'ai toujours été mince, grave skinny. Genre, pour moi, c'était impossible. J'allais grossir et tout. J'allais être mince toute ma vie. Du coup, bah, on m'a parlé du sirop apétamine. Vu que voilà, je connaissais pas de personne qui l'avait utilisé ou autre, moi j'étais un peu réticente. Du coup, bah là, je m'étais après bien renseignée chez les médecins et voilà, du coup, on m'a dit que non, enfin, il n'y a pas de produit bizarre dedans. Du coup, bah, je me dis, vas-y, bah, je vais tester apétamine. Du coup, peut-on avoir des effets secondaires avec apétamine? Donc, moi, je vous réponds non. Il n'y a aucun effet secondaire connu. Je connais aucune meuf qui s'est plainte de apétamine disant qu'elle a eu tout ce que vous pouvez dire, hein, tout ce que vous pouvez entendre. On connaît aucune personne qui a eu un effet secondaire sur apétamine. Moi personnellement, j'utilise apétamine depuis le mois de octobre. On est au mois de avril. Ça fait plus de 8 mois que j'utilise apétamine. J'ai eu aucun effet secondaire. Les seuls effets secondaires que vous aurez, ce sera la fatigue les 2 premiers jours. Donc, passé les 2 premiers jours, vous n'aurez pas de fatigue ou autre. C'est vraiment que les 2 premiers jours. Donc, moi, je vais répondre direct. Avec apétamine, une bouteille, tu prends 3 kg max. Tu ne prendras jamais 5 kg avec une bouteille d'apétamine. Donc, moi, je fais taire, hein. Tous les blablas qui parlent sur Instagram, tous les comptes apétamine sur Instagram, c'est du mytho. Tu prendras jamais 5 kg avec apétamine. C'est impossible, c'est du mytho, c'est quelque chose pour vendre. C'est faux. Voilà, je te le dis, c'est faux. Même carrément, j'ai entendu 2 bouteilles, tu prends 15 kg, 10 kg, faut arrêter. Hein. C'est du mytho. Moi, je suis franche avec vous, je suis réelle, je vends pas de rêve. Moi, je dis que la vérité, je vais pas vous mentir pour que vous achetiez mes bouteilles. Avec une bouteille, du coup, tu prendras que 3 kg. Avec 2 bouteilles, tu peux prendre 6 kg. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je parle français, je dis la vérité. Voilà. Du coup, on passe à l'autre étape. Comment prendre apétamine? Donc, je vous explique. Ça, c'est la boîte d'apétamine. Donc, voilà, petite boîte en carton. Ça, du coup, c'est la bouteille apétamine. La bouteille, elle est toujours vendue avec un petit bouchon transparent comme ceci. Voilà, comme ça. Donc, le matin, donc, tu le prends 2 fois par jour. Donc, 2 fois par jour. Tu le prends le matin, 10 minutes avant de manger. Donc, tu prends la moitié du bouchon. Ok? Et le soir, tu le prends 10 minutes avant ton repas du soir et tu prends le bouchon en entier. Ok? Donc 2 fois par jour, milieu du coup du petit bouchon pour le matin et pour le soir, tu prends le bouchon en entier. Ok? Voilà. Du coup, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, je vais parler de ma story à moi. Comment moi j'ai fait pour prendre 15 kilos en 8 mois? Donc je vais vous dire quand j'ai commencé, le poids que je faisais avant du coup et combien maintenant je fais de kilos. Alors, moi pour commencer, je m'appelle Zali, j'ai 24 ans actuellement, donc je faisais 47 kilos au mois d'octobre, 45 kilos au mois d'août, et actuellement je fais 60 kilos pour 1m73. Alors, donc moi j'ai toujours été mince, j'ai toujours été même très maigre toute ma vie, depuis collège, primaire, lycée, voilà, pour moi c'était impossible que je grossisse. Pour moi, jamais j'aurais cru que j'aurais pris 15 kilos. Pour moi, c'était mort. J'allais rester skinny toute ma vie. Du coup, j'avais entendu parler du sirop apétamine. Donc, j'étais un peu réticente, hein, comme tout le monde. Tu connais pas un produit, tu dis c'est bizarre, est-ce qu'il marche et tout. Voilà, les ingrédients, je connaissais pas trop. Enfin, voilà, je connaissais rien du produit. Du coup, voilà, un jour, je me suis décidée, je me suis dit, vas-y, je vais prendre apétamine, je vais tester, j'ai rien à perdre, je vais essayer. Bien avant ça, j'étais partie me renseigner chez un médecin qui m'a confirmé que c'était bien que des vitamines, pharmacie, pareil, du coup. Donc, voilà, j'ai commencé apétamine et quand je me dis que ça allait trop vite, ça allait vite. Au bout d'une semaine, j'avais pris 2 kilos. Les semaines passées, je montais à 3 kilos en plus, 4 kilos en plus, 5 kilos. Et je voyais mon corps changer, mes bras, ils grossissaient, mes seins, ils grossissaient, mes cuisses, pareil, mon visage, je voyais la différence. Enfin, c'est clair parce que tu vas voir ton corps, il va changer et tu vas apprécier, tu vas grave kiffer. Ça veut dire que ça va encore plus te motiver à prendre apétamine, tu vois. Tu vas dire, ah, j'avoue, il y a du résultat, du coup, je vais continuer. Du coup, voilà. Je voyais mon corps changer petit à petit. Les mois y passaient. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Enfin, voilà, je peux vous dire les détails, mais bon, ça passait, je grossissais. Et donc voilà quoi. Et du coup, bah, depuis le mois d'octobre, bah, j'ai pris 15 kilos. Là, actuellement, je ne vais pas vous mentir, bah, je continue encore à apétamine parce que j'ai pas atteint mon objectif de 65 kilos encore. Mais franchement, je suis grave fière de moi, je suis grave contente, je vois grave le changement. Là, je vois, j'ai grossi du visage, mes bras, ils ont grossi, mes cuisses, elles ont grossi, mes seufs, tout. Mais voilà, en tout cas, moi j'en suis contente, j'ai eu aucun effet secondaire sur la pétamine.
que la fatigue les deux premiers jours. Et voilà, moi franchement, je vous le recommande, les filles. C'est le produit qui a changé ma life. Moi, je vais même pas vous mentir, c'est la vérité. Du coup, les filles, je pense que je vous ai tout dit sur le sirop apétamine. Si vous avez encore des questions, franchement, n'hésitez pas, je réponds vraiment à tout le monde. Donc voilà, maintenant, si t'es déterminé, si t'es jusqu'à 50%, attends, ne gaspille pas ton argent pour rien. Reviens quand t'es déterminé. Si t'es à 100%, viens prendre des bouteilles, tu vas grossir. Moi, je vous dis, il n'y a même pas photo, il faut juste être déterminé. Moi, j'étais grave déterminée. Je vais pas vous mentir, c'était super dur de grossir. Hein. Grossir, c'est pas facile. Hein. Se motiver, se dire que vas-y, il faut pas lâcher, faut pas lâcher, mais je l'ai fait. Mais voilà, c'est juste une question de détermination. Et voilà. Franchement, sinon, bon courage à vous dans votre cure de apétamine. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds en privé, il n'y a même pas de souci. Mais voilà, franchement, vous pouvez grossir. C'est pas impossible. J'ai réussi, toi aussi, tu peux réussir. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Voilà, faut juste être déterminé. Moi, j'en parle du rêve, c'est vraiment que du réel. Voilà. Moi, la bouteille, je la vends à 25€. Voilà. Et sachez qu'en achetant chez moi, bah, moi, voilà, je ne laisse pas dans la nature comme ça. Moi, je reviens vraiment vers vous après, une ou deux semaines après, vous demandant combien vous avez pris le kilo, est-ce que ça se passe bien, est-ce que voilà, vous voyez du résultat, je demande vos photos et tout. Et voilà. En tout cas, courage à vous, les filles. Vraiment, bon courage et vous verrez, vous allez grave grossir. C'est moi qui vous le dis en tout cas.